d'abord mettre la clé. Chers téléspectateurs de Léon Joléo, nous sommes mardi 29 septembre 2020. Aujourd'hui, Léon Joléo vous propose de suivre les magazines qui va porter c'est la remise officielle des 12 motos qui seront affectées dans les 12 zones de santé dans les territoires de Beni, Lubero et la ville de Butembo. Des kits médicaux et des médicaments aussi dans cette région qui a été touchée par l'épidémie d'Ebola et aussi par la pandémie de coronavirus. Chers internautes de Léon Joléo, nous vous prions de suivre ces magazines. Honorable maire de ville de Butembo, représenté par le chef de division unique au sein de la mairie, notre grand visiteur, à savoir M. Edouard, représentant pays de l'UNICEF, c'est le bourgmestre Moulamba, ici présent, les différents médecins-chefs de zone, ainsi que toutes les personnes ici présentes, nous vous saluons. Merci. Nous vous saluons au nom du chef de division de la santé et nous saisissons cette occasion pour remercier de vive voix, du fin fond de notre cœur, l'UNICEF qui nous accompagne, qui continue à appuyer notre système de santé. Pour la petite mémoire, c'est depuis le 1er août 2018 que la RDC a été frappée par l'épidémie du virus Ebola. Les gens se sont battus, la population s'est battue, les partenaires sont venus à notre rescousse. Grâce à vous, ici présents, vous, la population, vous, les prestataires, vous, les partenaires, nous tous ici présents, nous nous sommes battus pour gagner cette bataille. En évoluant dans cette bataille, au mois d'avril 2020, au moment où on devait déclarer la fin de l'épidémie, nous avons été désagréablement surpris par un autre cas. Et du coup, on avait remis le compteur à zéro. Mais on ne s'est pas lassé grâce à vous. Et enfin, le 25 juin 2020, on a déclaré officiellement la fin de l'épidémie. Fin de l'épidémie, oui, mais ce n'est pas fini. Nous ne devons pas continuer à dormir sur nos lauriers. Ainsi a été lancée la phase de la surveillance renforcée. Et une fois de plus, Dieu merci, nous sommes en train de clôturer cette phase de surveillance renforcée. Mais est-ce que nous devons dormir? Non. On doit continuer. Il y a les survivants Ebola. Bien sûr, ce n'est pas pour les stigmatiser. Ils sont avec nous. Nous devons les accompagner. Mais tout en restant vigilants. Certes que vous êtes compétents. La prévenue que vous avez travaillé pendant longtemps et vous continuerez à travailler pour cette population. Ce jour si particulier, nous nous retrouvons ici pour recevoir le matériel de différents équipements qui vont une fois de plus continuer à appuyer notre système de santé. Et c'est là, grâce à notre partenaire, l'UNICEF, et en les recevant, j'avais dit, que c'est un mariage qui a été scellé, un mariage sans divorce. Et je suis persuadé que nous resterons toujours ensemble. L'UNICEF est là, mais il y a aussi d'autres partenaires, je citerai l'OMS et pas mal d'autres. Grâce à vous, le travail continue. Sans pour autant vous retenir pendant trop longtemps ici, tout en remerciant une fois de plus le partenaire UNICEF, je tiens encore à remercier nos amis
nos prestataires, notre population. Mais il y a encore une autre pandémie qui est venue nous désarticuler ou désarticuler le monde entier. Et là, je cite le coronavirus. Je fais mien les propos du médecin directeur qui a abordé cette question en disant que l'hôpital avait des soucis pour arriver à isoler les cas suspects et même les cas confirmés. Et je dirais, c'est pas seulement ici, à Kitatumba. L'antenne DPS que nous représentons couvre 17 zones de santé pour une population d'environ 4 502 152 habitants. Vous voyez que la charge, elle est lourde. Mais avec vous, nous sommes sûrs que ça va aller. Au stade actuel, l'antenne enregistre 229 cas confirmés COVID positifs. Et lorsque je prends la ville de Butembo, qui a deux zones de santé, à savoir la zone de santé de Katoa et celle de Butembo, nous sommes toujours à 146. Bien sûr, pour l'instant, il y a une sorte de stabilité, mais on doit continuer à respecter les mesures barrières. Et heureusement, je constate que chacun de nous se protège ici, ce qui montre qu'il y a un engagement de tout un chacun. Comme le partenaire est là, les autres sont là aussi, nous avons encore des défis. Les défis, il y en a plusieurs, mais nous pourrons en citer quelques-uns, notamment le rendu des résultats, qui reste un problème. Quand bien même qu'il y ait des cas, des alertes qui sont validées, mais par moment, on n'arrive pas à faire les prélèvements. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'équipes de prélèvement. Tout simplement parce qu'il y a des retards dans l'expédition des échantillons. Du coup, il serait intéressant de mettre au point ou d'utiliser les capacités locales. Et là, je cite l'INRB ici à Butembo, je cite l'INRB à Béni, pour que ces structures soient capacitées afin que les tests soient faits localement. Et au-delà de cela, nous savons qu'il y a un algorithme. On peut d'abord utiliser les tests de dépistage rapide, en voyant bien sûr ceux qui exploitent les antigènes ou les anticorps. Et là où il y a nécessité, on pourra continuer avec la PCR. De manière assez pratique, on aura, dans une certaine mesure, essayé de résoudre tant soit peu le problème. Donc, je dis que je compte encore sur tout le monde, sur vous, les prestataires, qui ne cessez de vous sacrifier pour cette population, mais aussi la population qui doit s'impliquer. Nous-mêmes, la DPS, le ministère de la Santé, bien sûr, avec l'appui de nos partenaires. Et c'est en ces termes que je tiens à remercier les partenaires, vous tous ici présents, pour le temps que vous avez dû sacrifier, partager ce moment avec nous, en sachant que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt suprême de la population. Au nom du chef de division, je vous remercie. Monsieur le coordonnateur à l'intérim de la thème de la division professionnelle de la santé antenne de Butembo, Monsieur le représentant national de l'UNICEF et toute sa délégation, Monsieur le monsieur chef de zone, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous vous accueillons dans ce cadre de l'hôpital général de référence Kitatumba de la zone de santé de Butembo, où ce jour nous allons assister à la remise symbolique des matériels destinés à 12 zones de santé, jadis de la sous-coordination de la maladie à virus Ebola. Je vais articuler mon propos sur trois axes, un contexte, un remerciement et sera un plaidoyer ensuite. Donc, l'hôpital général de référence Kitatumba prend en charge une population estimée à 243 600
50 habitants, la zone de santé urbaine de Butembo et les zones de santé voisines. Et pendant la riposte à la deuxième épidémie et la maladie à virus Ebola, qui s'est étendue d'août 2018 à juin 2020, l'hôpital a connu d'énormes difficultés dans les cas d'isolement des malades suspects, y compris les malades d'urgence pédiatrique. Cette situation continue même aujourd'hui avec le manque de salles d'isolement des cas suspects COVID-19 déclarés en République démocratique du Congo le 10 mars 2020. Et pour ce faire, face à cette pandémie de COVID, il nous serait important d'avoir des salles appropriées d'isolement de COVID, la salle d'urgence pédiatrique, la salle de soins intensifs, la néonatologie et l'équipement de réanimation des malades en détresse respiratoire. Et c'est pour ne pas oublier les autres affections pendant que sévit cette pandémie à coronavirus. Donc nous remercions l'appui de l'UNICEF dans le cadre d'addiction d'eau. Je crois dès lors que vous êtes entrés, vous avez vu deux tanks qui nous approvisionnent en eau potable. Les cellules avoisinant l'hôpital sont aussi approvisionnées. Et tout ça, c'est dans le cadre de ce projet que l'UNICEF a exécuté ici. La construction des latrines de douche, l'installation des impluviums et des dotations d'autres matériels. Et ceci nous a permis d'améliorer l'offre de soins et de maintenir la prévention et contrôle des infections au meilleur niveau. C'est ici l'occasion de saluer la deuxième dotation en matériel devant nous par les bailleurs via l'UNICEF, non seulement pour l'HGR Kitatumba en zone de santé de Butembo, mais aussi pour toutes les 12 zones de santé de la JADI sous coordination MVE2 de Butembo. Donc, au nom de tous mes collègues prestataires et au mien, nous encourageons cette initiative qui vient dans le cadre du renforcement du système de santé post-épidémie à la MVE. Nous promettons d'en faire bon usage au bénéfice des malades et à la satisfaction de tous, c'est-à-dire malades et prestataires de soins. Nous soulignons que les défis restent énormes pour atteindre la couverture santé universelle prôné par le chef de l'État, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les infrastructures et matériels d'équipement et les ressources humaines doivent être en adéquation avec les soins préventifs, curatifs, promotionnels et de réhabilitation à offrir à la population, chose qui n'est pas acquise pour l'instant. C'est pourquoi donc, nous réitérons notre plaidoyer d'avoir un regard sur et les services de néonatologie et des urgences pédiatriques en termes d'infrastructures et équipements afin de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale et infanto-juvénile. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le représentant du maire de la ville de Butembo, Monsieur, messieurs les bourgmestres de la ville de Butembo, monsieur le chef d'antenne de la DPS de Butembo, monsieur les médecins chefs de zone de santé de la sous-coordination de Butembo, honorable monsieur le médecin directeur de l'hôpital général de référence, honorables invités, chers amis de l'OMS et d'autres organisations qui ont lutté contre l'Ebola ces dernières années, contre le Covid. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous à l'hôpital général de référence de Kitatumba dans la zone de santé de Butembo. Je voulais tout d'abord, je suis très content de voir autant de monde et de voir que vous tous, on a travaillé énormément ces dernières années pour éliminer la maladie à Ebola. Et on a réussi. Et c'est quelque chose que je suis très fier et je voulais vraiment vous rendre hommage à vous tous qui êtes ici et qui avez lutté sans relâche pendant plus de 2 années. Donc un grand bravo à vous et je me permets de vous applaudir. Je suis très heureux aussi parce qu'on est arrivé au, je crois, hier ou avant-hier, aux 90 jours de surveillance.
Et naturellement, nous devons continuer et ne pas baisser les bras, supporter les guéris et continuer à lutter contre les autres épidémies qui sont un fléau pour les enfants de Butembo et du Grand Nord Kivu. Aujourd'hui, je suis particulièrement content d'être là aussi parce que l'UNICEF était ici avant l'Ebola, pendant l'Ebola, et on le sera aussi après l'Ebola. Et un des grands sujets pendant l'épidémie elle-même, avec le maire, avec la DPS, avec les différentes autorités, était d'essayer de faire le lien entre une réponse sur une épidémie d'urgence, de santé publique, tout en renforçant les systèmes de santé. Et donc, pendant tous ces mois, on a planifié, on a discuté avec vous comment le faire d'une façon cohérente ou d'autre. Et donc, on a mis un plan de plus de 5 millions de dollars pour pouvoir renforcer ce système de santé au niveau de Butembo et de la région. 9 formations sanitaires, 3 dans la zone de santé de Butembo, 3 dans la zone de santé de Katwa, 1 dans la zone de santé de Moussienne et 2 dans la zone de santé de Vuhuruvi. C'est principalement un support au niveau des services pédiatriques, néonatales et de maternité dans les hôpitaux et les centres de santé, avec un accent aussi particulier sur un paquet de d'eau et d'assainissement pour essayer d'éviter la propagation des maladies au sein de l'hôpital ou de la structure de santé. Il y a aussi des dotations en médicaments et petits matériels dans 39 fossats et d'autres donations en équipements et matériels médicaux à environ 150 fossats dans la région. On souhaite aussi, à travers cette donation de 5 millions, le renforcement des capacités des prestations et des équipes, des cadres de zones de santé, en gestion notamment du PEV, mais aussi en soins néonataux, maternels et infantiles. Pour ce faire, il y a eu aussi une dotation de motos et kits informatiques aux 12 bureaux centraux des zones de santé, et ainsi qu'un projet pilote de PEV de routine dans la zone de santé de Kalogouta. Finalement, il va y avoir aussi une dotation d'une ambulance médicalisée en territoire de Butembo. Aujourd'hui, nous faisons une partie de tout ce plan qui est beaucoup plus compréhensif et qui rentre dans une vision beaucoup plus large. Et ça concerne aujourd'hui l'hôpital général de Kitatumba, dans la zone de santé de Butembo, ainsi que les motos que vous voyez derrière, qui sont en faveur des 12 bureaux centraux des zones de santé. Donc il y aura une série d'autres remises d'équipements dans les semaines à venir, pour finaliser justement ce plan que l'on a fait ensemble avec le gouvernement. Je voulais profiter de cela pour remercier aussi les bailleurs qui nous font confiance. Ils nous font confiance sur le plan que nous avons fait avec la DPS. Il s'agit du gouvernement du Canada, du gouvernement britannique, du gouvernement américain, qui ont participé à un niveau ou à un autre à ces donations dont on parle aujourd'hui. Pour être un peu plus clair, je ne vais pas décrire tout ce qui est derrière moi, mais en gros, c'est du matériel, notamment pour les accouchements, comme les tables d'accouchement, des lits d'hôpitaux, et avec matelas, des tables d'examen, des pèses bébés, des stérilisateurs, des toises. J'en dis un peu plus parce que je vois vraiment des gens qui sont intéressés par recevoir ce matériel, des balances, des tensiomètres, des stéthoscopes, des fauteuils roulants, un kit pour les chirurgies abdominales,
des chariots pour médicaments et soins, ainsi que les motos. Il y aura un deuxième lot qui va être complété, celui-ci, avec des tables d'opération, des échographes, des concentrateurs d'oxygène, des couveuses, oxymètres de pouls, glucomètres, brancards, moustiquaires, et ainsi que des boîtes de petite chirurgie pour les accouchements et pansements. Et puis naturellement les lots de consolables pour pouvoir se protéger nous-mêmes par rapport aux différentes maladies. Donc voilà, c'est une étape. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et j'espère de nouveau que l'UNICEF, avec ses partenaires, avec la DPS, mais aussi soutenu par les communautés et par la mairie, vont pouvoir continuer à planifier. On est tous rentrés dans les phases de plusieurs années de planification. Il faut sortir de l'urgence et juste faire une partie du travail, mais regarder cela d'une façon beaucoup plus compréhensive, d'où le souci que l'on a ensemble de faire du renforcement du système de santé la meilleure façon de combattre les différentes épidémies, une resurgence de l'Ebola, le Covid-19, la rougeole qui a sévi l'année dernière. Avec à vous tous ici, et j'espère vous revoir très bientôt pour d'autres discussions de planification dans les années à venir. Merci infiniment. Disons merci. Oh, Yoki, Yola Bio Kosala, Naina Mitongese. Messieurs, mesdames, chers membres du comité urbain de sécurité ici présent, dont le bourgmestre de la commune de Voulamba qui nous reçoit, monsieur le représentant national de l'UNICEF, en mission ici chez nous pour un aller-retour, monsieur le médecin chef des zones de santé ici présent, distingués visiteurs de la délégation du représentant national de l'UNICEF, distingués invités à vos rangs, titres et qualités respectifs, au nom du maire, je vous salue. Je ne sais pas vous dire combien la mairie et sa population sont heureuses de cette visite d'aujourd'hui de l'UNICEF. Ceux qui ont fait peu attention et suivi les mots prononcés déjà par mes prédécesseurs le comprennent bien que parmi nous, il y en aurait peut-être qui sont comme moi, qui ne connaissaient pas encore ce que c'est l'UNICEF. Moi, j'ai l'impression que moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que je connaissais l'UNICEF. Un grand, grand bienfaiteur. Bien sûr, avec des partenaires aussi. Et le représentant national de l'UNICEF nous parle aussi des bailleurs de fonds qui les comprennent, qui les écoutent. Ça veut dire aussi que les animateurs de cette organisation se font écouter à haut niveau. Nous devons le remercier et nous pouvons aussi les applaudir. Avoir ce qui est devant nous tous ici pour un seul coup et le représentant de l'UNICEF vient de nous dire que ça ne sera pas le premier lot. C'est un lot parmi tant d'autres qui vont bientôt venir, qui existent.
Il a détaillé tout ce qui est devant nous ici. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le vrai, il y a des termes que nous entendons souvent parler par les médecins. Mais quand nous devons reconnaître ce que ça veut dire que le matériel est grand et important. J'étais content de suivre ici ceux qui disent que tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, et ce qui se réalise maintenant, c'est pour la population. Et pour nous, autorités du pouvoir public, on nous apprend que nous ne devons jamais nous dérober, de faire de sorte que tout ce que nous donnons comme action, là où nous intervenons, que tout cela puisse contribuer au bien-être de la population. J'espère que le matériel qu'on donne ici, nous allons l'utiliser à bon escient. Nous allons tout faire pour qu'il serve pour le travail qui est celui de voir ce matériel œuvrer, être utilisé pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de tout le monde. Ce n'est pas pour un infirmier, ce n'est pas pour un médecin, ce n'est pas pour un cuidame aventurier qui viendrait de quelque part. C'est pour nous tous. C'est pour dire que chacun de nous doit continuer à veiller à ce que ce matériel soit bien utilisé. Je ne serai pas là non plus, comme les autres l'ont dit, surtout que la mission de nos hôtes se pourrait aller retour. Encore une fois, je tiens à remercier tout le monde qui participe dans les actions bénéfiques de ce genre, de façon que chaque jour, si c'était possible, chaque semaine, chaque mois, nous puissions bénéficier des matériels de ce genre pour le bien-être de tout le monde. Ici, ceux qui m'ont précédé ont parlé de maladies, épidémies, pandémies, ainsi de suite. Vraiment, franchement, nous devons nous mettre à la hauteur de pouvoir comprendre, de pouvoir écouter ce que nous disent jour et nuit ceux-là qui ont été à l'école, qui ont fait leurs études pour qu'ils puissent nous dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour la médecine, pour la santé humaine. Parce que des fois, là où il faut dire oui, nous nous disons non. Et peut-être là où il faut dire non, nous avons l'habitude de dire oui. Et quand les gens vont en profondeur, on se rend des fois compte que des fois, c'est parce que nous ne savons pas ce que nous disons. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Soyons prêts à écouter les conseils des professionnels de la santé. Je vous remercie. Autorité urbaine, nous allons passer à la cérémonie de remise de ce matériel. À l'occasion, nous allons inviter encore une fois M. le représentant national de l'UNICEF. Il sera justement accompagné directement là avec le représentant de Butembo. Nous allons ensuite inviter l'honorable maire, ici représenté, à pouvoir passer devant le choix de l'égypte. Matériel, c'est mis à national, ce côté. Oh oui, très bien. Et là, vous passez. Merci beaucoup, mesdames. Voilà. À l'autorité urbaine. L'autorité urbaine. Du matériel qui nous est remis par l'UNICEF. Et comme nous l'avons dit avant, nous pensons que nous allons l'utiliser comme des bons pères de famille. Et à moi, je vais remettre aux techniciens pour qu'ils puissent bien analyser. Je tiens à vous remercier pour ce geste symbolique du matériel que vous nous remettez, matériel qui a été
donné par l'UNICEF. Et tel que l'UNICEF a dit, c'est avec l'appui de différents bailleurs, notamment le gouvernement américain, le gouvernement britannique et le gouvernement canadien. Ainsi, au nom du chef de division, je tiens à remercier tous nos partenaires pour tout l'appui qui nous permet de renforcer le système de santé. Et moi, en tant que DPS, je dois remettre ça aux hommes de santé. Et je ne sais pas si le représentant des médecins-chefs de zone qui est si présent peut venir pour que je lui remette, tout juste à titre symbolique, ce qui vient de m'être remis. Monsieur le médecin-chef de zone ici présent, représentant les autres zones de santé, ce matériel vous est remis pour prendre en charge la santé de la population. Et on vous le remet parce qu'on a confiance en vous. Et tout ce que nous pouvons produire comme conseil, c'est de l'utiliser en bon père de famille, de manière rationnelle, et je répète encore, pour l'intérêt suprême de la population. Merci. Nous recevons ce matériel avec joie pour soulager la santé de la population de nos zones de santé. Et vous promettons que nous allons user de ces matériels à bon père de famille. À mon tour, je vais remettre ce matériel au médecin directeur de l'hôpital général de Kitatumbo. Merci beaucoup, monsieur le chef de zone. Et nous remercions la division professionnelle de la santé, la mairie de Butembo et le partenaire UNICEF. Et à travers qui les bailleurs ont senti les besoins de la population, ils nous sont venus en aide. Le gouvernement canadien, le gouvernement britannique et le gouvernement américain, ils nous sont venus en aide pour soulager tant soit peu les maux de la population, en nous dotant de divers matériels pour les... Au représentant du maire, s'il y a quelque chose à dire. C'est un lot de 12 pour les 12 différentes structures de santé de la zone de Butembo. Et je vous remercie, ça va beaucoup aider pour faire le monitorage et pour être plus en contact avec les mamans et les enfants pour s'assurer qu'ils soient vaccinés et qu'ils reçoivent les soins. Je vous remercie. Nous voici avec les clés de nos motos. À titre symbolique, nous avons la clé de contact d'une des motos. 12 motos avons-nous appris ici. Nous espérons encore une fois que ces motos seront bien utilisées pour l'intérêt de toute la population. Je vous remercie. Je remets maintenant au représentant du chef de la DPS. Hein. Monsieur le maire, cet outil qui vient enrichir la mobilité de notre système de santé, pour dire que les prestataires, pour dire que les superviseurs seront plus mobiles et avec ça, ils seront proches de la population. Il y aura, comme d'habitude, des campagnes de vaccination, des activités de supervision pour lesquelles on va utiliser ces motos. Et au nom de la DPS, je dis un très très grand merci une fois de plus aux partenaires et en disant c'est un grand geste mais qui n'est pas le dernier. Nous sommes sûrs que ça va continuer. Et en disant merci, je passe cette même clé au médecin-chef de zone en espérant qu'il va utiliser toutes ces motos en bon père de famille, respecter la maintenance de ces motos. Parce que quand bien même qu'elles soient toutes neuves, si elles ne sont pas bien entretenues, au bout d'une courte période, toutes ces motos risqueraient d'être déclassées. Nous espérons que vraiment bon usage sera fait de ces engins. Merci. Merci aux représentants de la division spéciale de la santé. Comme zone de santé, nous sommes les nouveaux opérationnels. Et nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de la mobilité pour effectuer nos tâches de l'équipe de la zone de santé.
C'est ainsi que ce geste nous va tout droit au cœur de la part du bailleur UNICEF, qui nous rend un enjeu qui va nous aider à bien nous assortir de notre travail. Nous promettons encore une fois d'user de cet enjeu à bon père des familles et de ne pas l'utiliser dans des courses qui n'ont pas trait à leur service. Je vous remercie. D'abord, mettre la clé. Chers internautes de Léon Joléo, nous sommes à la fin de ce magazine, à la présentation. Je suis Mwanampenzi Manzekele. Au revoir.